Et bonjour à toutes et à tous, c'est The Voice, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Pokémon. On devait aller voir Cormia, donc c'est la première chose que nous allons faire. Alors, juste avant, je vous montrerai pas quand même les photos, comme d'habitude. Alors, le problème, c'est que je sais plus du tout ce que j'ai fait. On va regarder à partir de là, je sais pas si on l'avait vu celui-là. Il y a un monde où on l'avait vu, ouais, on n'était que 2 étoiles, donc on était 3 étoiles dans le dernier épisode. Donc c'est à partir de là, je crois... donc voilà, j'avais fait voilà, un petit peu les laporailles, tout ça, pour enlever la gamme éventuellement, sachant qu'il va y avoir les cinématiques. Et regardez, je suis passé membre 7 étoiles totalement, et j'ai eu un shiny, ça, voilà. Excellent, je suppose, je n'ai pas trop le... Putain, j'ai eu peur. Ok, bon, bah, let's go, on va aller voir Cormia du coup. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, oui, totalement. On est Yimbe et Cormier. Qu'est-ce que tu as à nous dire, j'ai envie de dire? Je sais pas, ça va être quoi la prochaine mission, mais en tout cas, on va éventuellement casser des pierres ou voler ou nager, hein, un des trois, prochains gameplay qui sont à nous proposer dans le jeu. Donc, tu as fait du bon travail, Omar et Karma, merci. J'aimerais maintenant que tu ailles explorer la côte Lazuli. Donc voilà, oui, on va aller là-bas, ça je le sais. Il y a des 100 coquilles bleues, voilà. Il n'y a ni roi ni reine là-bas. Laisse-moi t'expliquer, Zavogien. À la base, il y avait bien un roi, mais un tragique accident l'a emporté il y a quelques années. Selon les derniers rapports, d'étranges ombres ont été aperçues là où il vivait auparavant. De plus, les membres des corps de la défense et des artisans qui récoltaient des ressources sur l'île Crachefeu ont dit avoir été attaqués par des fantômes. Je peux pas accepter qu'une cour royale soit mise sans dessus dessous. Normalement, c'est la gardienne de la zone qui devait régler cette histoire. Qui devrait, mais la situation est un peu compliquée. J'imagine que tu as... Ouais. Ok, let's go. On va faire une ellipse directement. L'île sans roi. La côte Lazuli. Oh oui, ça donne vraiment envie d'y aller. Ça va être bleu, à mon avis, joli. Donc bref, à tout de suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un bug? Bon, elle va me dire de passer 3 étoiles. Je pense avec le masque. Avec ton roi actuel, tu devrais pouvoir explorer Ranto sur l'île. Merci, merci. Parce que ouais, on a changé de coupe. Mais du coup, je pense que en vue première personne... Ok, donc là c'est pas bugué, mais bon, sur le texte avec Selena, pourquoi pas. Le jeu est récent, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, bah là on va y aller tout simplement de toute façon. Voilà, on va préparer sa bouteille d'eau sur le trajet, puis on va enlever la cam pour découvrir quel est ce nouvel endroit. Alors, notre but est de découvrir, on a dit, un sans coquille, mais voilà, il y a plusieurs choses. Voilà, on est tranquille, il y a de quoi faire, je pense, au niveau des quêtes, on verra. Perchupio, je suppose, pour que ça s'arrête comme ça. Eliane. Attendez, c'est la meuf, ça, non? Non. C'est où tu dois aller pour tes prochaines recherches? Sur la côte Lazuli. C'est Garana la gardienne là-bas. La peau, ce n'est pas facile pour elle, vu qu'elle n'a plus de roi à garder. Même au clan perle, ça casse du sucre sur son dos. Ah ouais? Oups, j'ai encore été trop bavard au fond. Ça ne te concerne pas. Pour la peine, je vais te dire quelque chose qui risque de t'intéresser. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres, et parfois ils peuvent même évoluer grâce à elles. À chaque heure, on est à la preuve. Tu cordes des chercheurs, donc j'imagine que toute ta formation est bonne à prendre. Que tes pierres que tu trouveras à Izu pourraient être très utiles. Bon, on connaît, hein. On connaît. Oh! Des pierres efforts. Oh, ouais. Elles proposent des pierres d'évolution. Ouais, non, mais là, c'est vraiment trop bien. Regardez, par exemple. Oui, c'est là, c'est totalement là. Là, regardez, caillou est fort, pierre est fort. Alors les pierres, ça va être Godlay. Regardez, on peut monter à 8 au niveau des PV, donc c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais pas réfléchir autrement. Pareil, les cailloux est fort, c'est pas mal, donc ça va être sur Torterra. Il va monter voilà, à 6 ici. Et il va monter à 4 ici, c'est vraiment cool. Encore, il va monter à 5 ici. Donc ça fait plaisir. Bon, on a un Magikarp, c'était pour les quêtes, c'est vrai qu'il va falloir que je reprenne mon Pokémon. On a changé d'équipe, hein, vous avez vu, ça y est, on a un petit peu changé d'équipe, ça fait plaisir. Alors par contre, je me rappelle plus du tout c'est quoi le Pokémon que j'avais. Faut que je réfléchisse, hein. Alors on était sur le Nymphali, je crois, hein, mais je l'avais changé avec le Togekiss. Ouais, parce qu'il est en plus vol que le fait, donc voilà, ça fait assez plaisir, merci, merci. Bon après faut qu'ils XP, mais voilà, on a un Torterra Baron, alors lui c'est quand même un sketch. Alors, regardez la grosseur de ce Pokémon. Il est incroyable. Donc voilà, let's go. Oh merde. Ah oui. Alors ça, en soi il peut y avoir... il peut y avoir des choses intéressantes
En fait, il y a que des shiny, donc. Est-ce que ça m'intéresse? Bah moi non, en soi, je veux pas un shiny, voilà, moi, je m'en fous, donc bref. On va directement au côtes de Salazuli, on a la cam pour découvrir ce magnifique endroit. La côte Lazuli. Il va y avoir des crabes, il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Le ciel, la mer, la brise, à admire donc ce vaste paysage. Bon, il va y avoir de tout, hein, comme Pokémon, je suppose. Donc, accomplir la mission qui t'a été confiée. La gardienne. Il y a une gardienne et un gardien. Garna du chlorperle et Grana du chlordiamant. Peut-être pourront-ils t'aider à accomplir la mission qui t'amène ici. Ok. Donc là, il y a Nashara. Alors, on s'en fout de Nashara. Ok, ça nous bloque, ça nous bloque. On est obligé de lui parler. ATM, je sais pas pourquoi. Mais non. Pokémon mer. Du coup, sachant qu'on est sur la plage, on va devoir aller dans l'eau. Je vois pas le vol ni le cassage de roche arriver. Mais non. Mais pourquoi? Bah d'accord, let's go. Bon bah moi je vous le dis tout de suite, enfin bon on va pas faire le combat là, c'est bon, je vais l'enculer sans Givrali en fait. Donc à tout de suite mes koalas. Ah ça m'a fait du bien, mais je dois reconnaître que je me sens toute petite au milieu. Oui oui allez. Allez 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 allez. Ah, enfin. C'est étrange mais j'ai l'impression qu'avec toi je peux parler ouvertement en toute honnêteté. Mais comme je suis la chef du clan, je peux pas montrer faiblesse à des personnes du même rang comme le dirigeant Cormier. Franchement, parfois je me demande comment je me suis retrouvé à porter un fardeau pareil. À propos, notre gardienne est sur la côte Nazuli, s'appelle Garana. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a plus de roi, et Garana a pas élevé son héritier comme elle aurait dû le faire. À cause de ça, il y en a qui pensent qu'elle ne mérite pas sa position de gardienne. Mais quoi qu'ils disent, Garana est une personne importante pour moi. J'ai beaucoup appris d'elle quand on était en compétition pour le poste de chef du clan. En fait, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu l'aides à entraîner son Pokémon pour qu'il devienne le nouveau roi. Oh! Comme ça, tous ceux qui critiquent Garana pourront plus rien dire. Tu nous as déjà aidé à apaiser Ashikater, je suis sûr que tu peux y arriver. Vas-y, on est parti. On est parti, s'il vous plaît. Laissez-nous jouer, en fait. Oh. Eh, re, tout le monde. Donc voilà, on est en train, du coup. Bah, on est passé la journée, hein, histoire de voir. Il y a quoi comme... Oh, il y a les chats, du coup, ils nous en foutent, ça. Bon, on n'était pas loin de mourir, hein. On a perdu nos amulettes, by the way. Oh, putain. Oh, mais ils ont peur de nous. Bon oui, alors on est niveau 7, regardez les Pokéballs qu'on a maintenant. Ah oui, non mais on est vraiment bien, on va remettre la cam d'ailleurs. Coucou. Je suppose qu'il faut les capturer sans qu'ils courent, mais tranquille. Voilà. Lui on s'en fout, genre c'était juste un comme ça pour tester. Du coup, tac, Chaglam. Hein. Donc lui, il a une jolie queue, et il faut lui donner à un mec dans... voilà, par exemple c'est une quête qu'on avait à faire, voilà. Il faut lui donner un Pokémon avec une belle queue, voilà. Donc bah je pense que c'est une très jolie queue les... Par contre, c'est la pire discussion. Alors. Attends, c'est quoi ça? Ah non, mais il y a plein de chats ici. Comment je le capture, lui? Attendez. Ouais, bon, bah d'accord, super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que bon, les étoiles... Ah, une fève d'haricot, là, j'aime bien. Hop. Fève de dieu, ça s'appelle. Alors, attendez, mais il y a vraiment y a rien à faire. Là, 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 là. Monsieur... Oh, c'est qui m'a vu? C'est lui. Attendez, on se fight avec lui. Après, c'est un mort, c'est lorsque qu'il est haut. Je pense que, ouais, on va le niquer, on va le niquer. Attendez, parce que lui, déjà... Un petit coup d'éclair dans la gueule, ça fait pas de mal, merci au revoir. Oh, il s'est caché en plus. Trop malin. Parce que là, on est caché. Mais voilà Nardim. C'est quoi, un notario? Non, un Kemorse. Super. On va l'enculer. Hein. Au niveau 50 quand même. Hein. Je suis pas sûr de le one-shot, on va voir ça tout de suite.
Ouais, je le one-shot pas du tout. Il va m'attaquer, hein, ça peut faire mal. Non. Ouais, mais genre, ça va. Oh là 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 là! Il peut pas attaquer! Oh, il évite l'attaque! Attendez! Et on essaie de le capturer! Oh, ce move de dieu! Oh, ça commence bien cette vidéo! Oh, putain, bon, enfin, on joue, mais bah, on a 12 minutes de vidéo. C'est le premier véritable, la véritable chose qu'on... Oh là là, on a capturé Kevin! Let's go, guys! Juste ça, c'est quoi? D'accord, c'était du putain de fer. Alors, attendez, parce que... C'est quoi ça? C'est pas un Pokémon, c'est pas un Pokémon. Ah, c'est des pétarales qui nous enfolaient! Let's go! Attends, mais il y a des trucs trop bien! Là, il y a les noix grumes. Alors, par contre, ouais, j'ai fait beaucoup de. Dégage l'oiseau, ouais, ouais. Ouais, lui, faut qu'il level up. Alors, un sac de noeuds, je suis. Pas sûr de. Ouais, ouais, attends-toi. Par le type feu. Eh ben, j'ai un pyroli. Attendez, il en manque combien? Ouais, en soit, je peux tuer les deux avec mon pyroli. Comme ça, on avance dans les quêtes aussi. Vas-y, fais voir, toi. Hop, dans le dos. Bon, des fois, ils sont un peu bêtes, hein, les Pokémon. C'est très rigolo. Du coup, on va lui mettre un Flamèche. Ça va le one-shot, là. Attendez, 54. On va tuer l'autre qui est à côté. Et puis, là, on est bien, comme ça. Alors, vous voyez les tâches en haut à gauche, 3 sur 4. Et là, boum. Mais lui, il se reposait, le pauvre. Et je vais juste le tuer. Aucun cœur, Zavogien. Allez, dégage, pas. Oh, une fève de dieu en cœur, là. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est vraiment pas mal, je crois. Donc, c'est apprécié par un Pokémon, donc j'aime bien, tu vois. Ah oui, bah cours, cours, ouais. Oh, oh, oh! Putain, je les capture pas, quoi, c'est incroyable. Ah, bah voilà. Là, il y a quelque chose encore. On connaît pas ça. Ça, c'est encore un truc. Oh, le Musteboué, la flemme. Oh, vraiment, la flemme de tuer ces merdes, là. On va juste en tuer un, hein, mais genre... Wow. Ok, ça le tue pas. Bon, on va utiliser Fatal Foudre. Hein. On va pas prendre de risques, là. Du coup, là-bas, on va pas y aller. Hein. Oh, il y a une... Oh là 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 là. Ça parce que là, on va pas du tout, c'est qu'il faut. Hein. Wow, wow, wow. Un cap humain. On a eu un cap humain. Il y a plein de cap humains, ils ont pas peur de nous. Mais par contre, on n'arrive pas à les capturer, c'est quand même terrible. Faut en parler. J'essaie de le lancer à l'arrache. Là, il y a du soignant, ça fait plaisir. Ok, hein, c'est le deuxième capturé sur 3. Alors là, c'est qui, c'est quoi? C'est quoi cette musique, wesh? Fais chier. Ils ont pas peur de nous, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Hein. Alors là, normalement, je meurs pas, mais j'ai un peu peur quand même. C'est quoi ça? Oh, la flemme, non? Attendez, juste, on pourrait pas regarder le cap humain là, tout en bas? Tout en bas. Vaincu par un type combat, malheureusement. J'ai pas de type combat dans mon équipe, ouais. Oh, ça m'a fait stresser à moi. Mais c'est quoi ça? Un Papilord vaincu par un type proche. Tu connais Gravalanche? Merde. Tu connais Gravalanche? Attendez, parce que nous, on va faire une ellipse, du coup. Ouais, on a déjà 16 000. Oh là là. Tu n'as pas de dégâts, Papilord? Bouffe de l'éboulement, en fait. Mais oui, mon petit. Tu l'es, Papilord? J'aime bien. J'aimerais bien le capturer, lui, mais... Les gars! J'adore ce Pokémon! Il est trop bien. C'est quoi, les Obali, là? Je sais pas comment il s'appelle, mais let's go. Bah, c'est ça, putain, ça s'appelle vraiment Obali. Hein, ah, c'est quoi? C'est quoi derrière? Oh, merde, c'est méchant. Oh merde! C'est quoi ça? Putain, je peux pas genre... Voilà. Voilà.
C'est quoi ce Pokémon? Un Rapion? Let's go, bah j'en ai capturé un, ça fait plaisir. Non mais vas-y, faut que je sache viser aussi, c'est pas possible. Attendez. Il m'a pas vu. J'espère que je vais le capturer. Let's go, je l'ai eu! Attendez. Non mais c'est bon, j'ai eu le Mal Chopper en géant, c'est genre beaucoup trop fort. Attendez, mais moi, faut que je monte, attendez. Comment je monte? Attendez, c'est qui m'a vu, là? Mais cette petite merde, là, j'en ai marre. Attendez, c'est un type quoi? Type feu. Tu peux pas m'attaquer, en fait. Donc toi, déjà. Toi, tu meurs, déjà? Attendez. Non mais attendez, on va pouvoir monter, en fait, hein. C'est bon, c'est 100%. Genre là, on peut monter. Comme ça, on va directement là-bas, comme ça, on perd pas de temps, mais genre... Juste, j'aimerais capturer ça. J'aime les Pokémon Baron. Tu m'as pas vu. On va prendre une plume ball. On va la tirer un peu en hauteur, genre... Dès qu'il y a... Go. Let's go, le petit Eli. Niveau 46 en baron, eh oui, on peut capturer des barons sans se fight contre eux. Hein. Attendez, on peut vraiment monter ça? Moi, j'y crois moyen. Ah, attendez, mais what? Non. Mais ils volent! C'est des raies qui volent! C'est bon, remets quoi là? Alors, et regardez, il y a une distorsion là. Mais on va peut-être la faire, mais... On essaie avant d'arriver quand même à la suite quand même de l'aventure. Comprendre un petit peu des choses. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop avancé. Non. Oh là là, un Charmillon, mais vas-y. Nique sa mère, nous on avance. Hein. Attends, on va tout prendre sur le chemin par contre. Hein. Plantes répulsives, les feuilles, les fèves, tout ça, on prend tout là. On est des rapaces. Ah oh, merde, ça on pourra pas, dommage. Bon, les cornèbres, on s'en fout, genre. Allez, on y arrive. Oh putain, sa mère, non. Oui. Oh, il y avait un objet perdu. Attendez, ça quand même, je prends. Ah, Richard, merci. Bah, de rien, Richard. Bonjour à toi. Attendez, mais il y a un volcan là-bas. Il y a un putain de volcan. Oh, c'est quoi cette merde? Mais le chat, il est. Vous avez vu la gueule du chat? Attendez, parce qu'on y arrive là. Hop, petit soignant. Hop, le pépé. Let's go. Ah, c'est Martien, attendez. C'est des caninos? Du caninos? Je vais aller à la faille, donc explique. C'est des caninos! C'est toi qui as réussi à calmer Shakater et Fragile Lady? Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne aussi forte ait un visage aussi doux. Je suis là pour pécho, moi! Bonjour, enchanté. The Vosgien de la Comté. Il n'y a pas de monarque orangé sur la côte Lazuli, mais il y avait un roi jadis. Mais il s'est sacrifié pour sauver son petit qu'une vague avait emporté. Pardon pour cette question soudaine, mais selon toi, lequel des deux Canidos est le fils du roi? Le plus grand. C'est ce que tout le monde répond généralement. Si Canidos si sage qui se cache au moindre bruit est en fait le petit du roi défunt. Oh non. Nonos! Il a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour, mais voir son père mourir... Périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le former, nanani nanana. Je décidais de laisser vivre comme il le souhaite et de toujours rester à ses côtés. Comme un toutou quoi. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici? L'île crache-feu. On paraît qu'on y voit des ombres étranges. Cependant, si tu comptes y aller, tu devras traverser la mer à dos de Paragruel. Let's go! Pour cela, tu devras aller voir Graham, le gardien du clan Diamant. Se passe définitivement quelque chose d'anormal sur l'île Crache-Feu. Il y a bien sûr ces ombres étranges, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. On dit que les éclairs sont la colère des dieux. Le grand Sinnoh nous en voudrait-il? Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, les clans perles et diamants étaient seuls. Nanana, allez, bref. Le grand Sinnoh aurait-il donc décidé de punir... Ok, ouais. On s'en... Oui, c'est vrai qu'on s'en fout de ton histoire. Hein. La plage Ginkgo? Le monde des capes humains. LOL MDR, j'y étais! Et LOL MDR aussi. Attendez, ouais non. Oh là 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 là.
J'ai envie de sauter, mais le problème c'est que je vais mourir alors. Est-ce que j'ai envie de me suicider? Attendez, mais il y a la faille, il y a la faille, il y a la faille. Faut pas qu'on oublie, hein. Attends, par contre, ça je récupère hein, tous les jours. Oh, ça aussi, ça aussi. Ah! Togekiss, let's go! Le mec, il y a. S'il te plaît, ne me regarde pas, le chat. Merci. Oh là 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 là. Ce gameplay, attendez, on peut descendre en bas. Hein. Attendez, là, il y a un monde où on y arrive. Hein. Genre tranquillou. Regardez, mais je suis un génie. Voilà, 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 voilà. Alors, regardez. Tac, tac, tac. Ça, on assure, parce que je sais très bien comment ça va faire. Voilà. On a la petite flamme. La distorsion, elle fait quoi? Ok, elle est tranquille, elle est tranquille. Elle se distorsionne pas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très rigolo. Attendez, jusqu'à on n'essaierait pas de... Je meurs hein, si je tombe. Mais on s'en fout, on s'en fout. Je suis pas mort. Vous voulez du miel? Du miel! Tenez, des baies! Des fèves! Des bananabes! Mais vous en allez pas? J'ai trop le seum. Je sais pas comment on les capture ces trucs là, c'est ouf. Alors attendez, attendez, attendez. Parce que du coup, ah oui non mais là c'est bon, là on va aller voir le cap humain. Attendez, il y a une flamme violette là-bas. Mais non mais on va pouvoir traverser l'océan, on va découvrir des Pokémon et tout dans l'eau. Attendez, parce que là on peut récupérer, hein. Genre, tant que la faille n'est pas activée, y a pas manière de rush, on est vraiment pas loin pour le coup. Non. Oh non. Tu pouvais marcher donc tu peux encore. Ah le pauvre. Pauvre petit Gugus. Impossible n'est pas français! Voilà. Regardez, regardez! Non, frérot! Pas la bagarre! Pas la bagarre! Un Remoraid? C'est quoi cette petite merde qui pue là? Ouais, tu dis tranche, mais tu vas le one shot, non? Vas-y, vas-y, c'est pas grave, on l'a. Oh là là, il est dû faire. Mais je peux. Ouais, c'est bon, je peux traverser tranquille. Hop, voilà. Attendez, parce que là, faut qu'on récupère. Et ouais, regardez, une loi grume là. Non, encore un objet perdu. Non, mais il y a des gens qui sont morts ici, ça me fait très peur. Hein. C'est de la merde ces Pokémon là, tout petit, tout moche là. On veut pas de ça, nous. Bon, les match-up, bonjour. Ah, oh, du fer partout. Parce que c'est pour confectionner des Pokéballs le fer. Ça, pareil. C'est pour confectionner des grosses potions et tout, donc on en a besoin en soi. Hein. Là, pareil, il y a une flamme. Alors, la distorsion. Ouais, c'est bon, elle est pas apparue, donc tranquille. Attends, parce que je peux le faire, ça. Ah, ça devrait être bon. Elle est belle, celle-là. C'est une belle flamme qu'on a trouvée. La distorsion, on y va y aller. Hein. On va monter au mont Cap Humain, là, je pense, tout vite. Il y a juste, ouais, les Noagrim, faudrait que je récupère quand même. Ouais, les Noagrim, je dois récupérer, c'est une obligation. J'en ai plus de trop, hein. Bah, j'en ai plus du tout, en soi. Donc, voilà. On en a récolté 7 sur l'arbre, hein, c'est géant. C'est géantissime. Oh, la distorsion. Merde, on fait quoi? Ok, un petit tour dans la distorsion. On l'a fini, mais on l'a fait en rush avec, avec un système d'ellipse. Putain, il me faut des mauvaises herbes. Hein. Oh, Magnéti! Là, c'est le gros stress ici. Parce qu'il faut capturer, en même temps, faut... C'est chaud, en vrai c'est chaud. Faut capturer, et faut bien se bagarrer, faut prendre par surprise, sinon t'es en 1v5. Genre c'est très chaud la distorsion. En vrai non, 1v2, 1v3, 1v4. Mais voilà, regardez, un abracadabra là, hop. Marino féroce, une mouflette. Là tu t'en vas le plus loin possible si jamais il respawn. Voilà, par exemple là. C'est bon, j'ai disparu, il est volé, c'est en capture direct. Ça, bam bam. Là on récupère les questions, c'est important. T'as rien d'autre là? Ça, j'ai envie de récupérer, je vois, c'est la poussière d'étoile, je sais pas si c'est utile, je me suis mis. On prend. Un Rhinastock, pardon. What?
Mais il était magnifique. Non. Oh, puis c'est moche, ça sert à rien, c'est moche. Encore un, encore un. Mais non, je veux ça. Merde. Wow, on a entendu un bruit. Mais c'est pas grave, c'est la maison, vous inquiétez pas, c'est la faille. Wow. Attendez, c'est quoi ça, les Rhinastock là, je sais pas, mais ils sont trop bien. Ils sont géants. Attendez, attendez, hein, parce qu'il y a la fin aussi. Oh là 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 là. Il y a la fin de la faille, il faut rush au sol. C'est la meilleure technique, je pense. Ah, vite, vite, vite. Yes, il m'a pas capté, il m'a pas capté, il m'a pas capté. Je vais le capturer, je pense, avec les hyper balls. Tranquille, je rigole, hein, je sais que ça s'appelle hyper boule quand même. Bon, on a gâché. Mais lui, il est revenu. Ok, bon, bah voilà, c'est fini, vous avez vu. On n'a pas entendu que c'est. Bref, bah du coup on va aller au Capuma, hein, donc voilà. On va pas réfléchir plus que ça. On va finir l'épisode, voilà. Bon bah c'était la faille, hein. J'espère que vous avez eu beaucoup d'images. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les capturer facilement. Mais, bah c'est rigolo. Moi un Capuma, franchement dans ma tête c'était vraiment vénère dans sa tête. Des noix grumes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À chaque fois vous voyez des noix grumes, vous mettez noix grumes en commentaire et pour voir tout le nombre de noix grumes que j'ai raté. En vrai j'en rate pas beaucoup. Genre ça c'en est pas. Attention, c'est des fruits ça. Hein. Perchupia. Bah oui, c'est le clan Grinko ici, hein, c'est ce qu'ils ont dit, hein, c'est la plage. Oh la vache, la plage Grinko. Oh, The Vosgien, je pensais pas te croiser ici. Figure-toi que je suis à la recherche de plaques. Bah, toi aussi, tu les rassembles, non? Tu as fait des progrès? Plus ou moins, il est vrai. T'en as déjà 4, il faut pas faire tout modeste, enfin. Tu trouves les plaques en apaisant les monarques en obtenant de nouvelles montures? Je vois. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire du héros d'une ancienne légende. Celui-là même qui a affronté le grand Sino. Oh. C'est étrange, on raconte que les 10 Pokémon qui ont prêté allégeance à ce héros ont reçu leur pouvoir du grand Sinnoh lui-même, pardon. Alors pourquoi ces Pokémon ont-ils fini par affronter le grand Sinnoh aux côtés du héros? Peut-être qu'en retrouvant toutes les plaques, nous obtiendrions les réponses à nos questions. J'ai pas envie de perdre l'un de mes meilleurs clients. Bah vas-y, vas-y, Perchupio, à la prochaine. Nous, on va aller voir là la hutte qui était fermée, donc est-ce qu'elle est ouverte, la maison de Graml? J'y crois très moyen, mais on va voir ça tout de suite. Oh, let's go, on enlève la cam, allez, et on finit l'épisode là-dessus. Oh, je suis Graham du clan Diamant. Oh, un membre du groupe Galaxy avec une flûte céleste, non? Ouais, ok. Tu es Zavogia, c'est ça? Comment on t'en visite? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? J'ai fait du mal? Attendez, je suis en train de faire un personnage autiste. Le pauvre. Il est juste un peu stressé. Attendez, je vais dire non. Calme-toi, Graham. Tu n'es pas autiste. Les visites impromptues, c'est mauvais pour mon cœur. Vas-y, vas-y, vas-y. Donne-moi ton Pokémon là, avec ta flûte. Allez, 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 allez. Comment ça? Comment ça? J'ai les ressources nécessaires, mais faut attraper un Pokémon la nuit. Mais pour moi, c'est impossible. Quel Pokémon? Tu veux vraiment savoir? C'est Zavogia. Attendez. Teraclope. Rien que mon nom. Son nom me terrifie. Les vibres obscures de Teraclope. Oh, c'est le seul moyen de préparer le plat préféré de Paragruel. Entendu. Vous n'avez vraiment peur de rien dans le groupe Galaxy. Moi, je trouve ça effrayant. Les Terrachos errent la nuit sur la rive des revenants. Ils sont faciles à repérer, mais ils n'ont qu'un seul œil. La rive des revenants, c'est près de l'endroit que ressemble à une main sur la carte. Cherche l'épave, que c'est là que... Là, les Terrachos se trouvent. Ouais, ce personnage est vraiment flippant, hein, Graham. Pourquoi t'es une tapette comme ça? J'ai tellement peur d'eux que j'ai mémorisé l'endroit où ils sont pour les éviter. Bon, bah voilà ce que nous devons faire au prochain épisode, les koalas. Alors, en attendant, on va capturer 2-3 petits caps humains. Mais attendez, parce que là, il pleut de ouf. Non, bah du coup, ça sera au prochain épisode. Je vais essayer de le capturer en off, mais il y a des chances que voilà, vu que c'est la nuit tombée, faut vraiment que j'y pense, donc je pense que... T'es méchant? Eh, ils sont méchants, là, attendez. Oh, ça dégage, là. Regardez, un super cap humain. Lui, faut pas qu'il me voie, il va me taquer, sinon. Let's go! Ah, attendez, bah du coup, on va se laisser là, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde. Oh, par un type combat. Ok.
Aïe. Oh, tu vas te calmer, allez. Allez, on finit par un combat et on va se dire au revoir du coup, hein. C'est vrai que les épisodes sont longs, hein. C'est un peu chiant. Tiens, tu vas bouffer un lance-flamme, tu vas te faire... Non, je vais te brûler. Je rigole, on peut pas être brûlé. Bah oui, tu peux pas bouger. Bah oui, tu peux pas bouger. Allez, on finit avec un petit flamèche, ça va pas le tuer, mais derrière, la brûlure va le terminer normalement. Pyroli peut pas mourir là-dessus, niveau 39, genre. Il meurt du coup. Ok, vive attaque pour terminer. Bon voilà, bon bah j'espère que cet épisode vous a plu, il était bon, pas très riche au niveau de l'histoire, mais bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est difficile de faire de l'histoire hein, quand même, il est vrai. Donc voilà, bah moi bah, je vais jouer en off, hein. Écoutez, je peux rien vous dire d'autre en fait, je vais jouer en off et puis Inch'Allah on va peut-être trouver le machin chose là et puis voilà quoi, hein, on verra bien. Alors, lui, attendez, imaginez on le capture en fait, hein, comme ça. Genre comme ça! Voilà, si je le touche, déjà, je suis pas droit. Putain, mais il y a un problème de distance, là, les distanciations sociales. Bon, bref, bon, allez, moi, je vous laisse, parce que moi, je resterai des heures, là-dessus, je suis à 30 heures de jeu, je crois, c'est chassage de Pokémon. Bon, bref, je vous fais mes bisous, portez-vous bien, on se donne rendez-vous, du coup, bah, dimanche et lundi, hein, ouais, hein, pour la suite du Let's Play. Portez-vous bien, puis, bah, on se dit, voilà, à dimanche, pour la suite du Let's Play. Bref! Bisous, comme à chaque fois, à chaque épisode, une seule dernière chose à vous dire, c'était The Vosgien, et puis les réseaux sociaux. Ciao, ciao!